Au centre d'Advent. Là. L'Adventura. Bien. Molto Buene. En avant ici. Surtout que les disciples du feu, on l'a vu, il y a l'église juste à côté du monolithe. Donc c'est vraiment la zone tout bénef. Des gens vraiment très sympathiques qui sont en mode on va brûler la moitié de la population. Quoi. Pyromane en puissance. Oui, les papouilles. Alors. On a un truc au niveau du monolithe, le reste c'est les disciples du feu. Dans tous les cas, on peut très bien aller au monolithe, mais ça ne va pas servir à grand chose. Allons d'abord dans l'église. Voilà, les bonnes flammes, tout ça, on adore. Suis les torches. Sûrement un passage, le rite d'initiation. Je sens l'essence jusqu'ici. Pourquoi aurait-on besoin d'une telle quantité? Ah bah parce qu'on met le feu partout. L'église de Saint-Michel. Bel et bien une zone, je peux enlever mon petit marqueur du coup. Zone de recherche pour notre affaire en cours. Pas que j'ai pas confiance, mais... Ok. Vous savez pas à ça. Purifiez-vous. L'heure est venue, mes frères et sœurs. Chacun de nous doit purifier son être avant de faire face à ce nouveau monde. Nous abandonnerons derrière nous tous nos regrets et nos passions. C'est dans la pureté que nous accueillerons notre nouvelle existence. Joignez-vous à la purification à l'église du Buisson Ardent de Saint-Michel. Le bouchon n'a pas été fermé correctement et il y a encore de l'essence dedans. On dirait qu'il a été ouvert récemment. Ok, petite cartouche. Tout pour le plaisir. Oh! Terrible! Ah bon? Ceux qui sont purs reposeront à ses pieds, et ils se réjouiront en leur âme, chantant à jamais parmi les anges. Oui, bah oui. Clairement. C'est bien ce que je me disais, oui. Terrible. Non, ça j'ai déjà vu. On a un étage et un sous-sol, on va commencer par l'étage. Bonjour. Quelqu'un de vivant. Vous m'avez fait peur. C'est Anna? Qui êtes-vous? Ah non, c'est pas Anna. Vous êtes juste la même pour tête. La purification, vous aussi? Oh, j'avais oublié que j'avais des lunettes avec ce... avec ce skin. Je m'appelle Charles Reed. Je m'appelle Charles Reed. Et vous êtes? Meryl. Mais appelez-moi ma sœur. Nous sommes une grande famille après tout, pas vrai? On va à l'écache, on veut des trucs pour le monolithe. Avez-vous vu un morceau de pierre qui pousserait sur le monolithe? Je n'ai rien vu de l'extérieur. Oh, je sais de quoi vous parlez. Ça se trouve sous la base. Qu'est-il arrivé ici? Je suis obligé de poser des questions, Bios. La fin du cycle est là, et le prochain débute bientôt. Nous devons donc nous purifier par le feu. Attendez, vous voulez dire qu'ils se sont fait ça eux-mêmes? Avec joie, mon frère. Avec joie. Nous avons longtemps attendu ce moment. Mais bientôt, le cycle débutera à nouveau. Et nous renaîtrons dans un nouveau monde. Purifié. Vous pouvez laisser tout ceci derrière vous, mon frère. Un nouveau départ. Rejoignez-nous. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Et si c'était simplement un suicide? Il y a quelqu'un qui s'est battu derrière moi, là. Ne recommence pas. Je suis pas fou. Nous serons alors réellement bénis.
car nous éviterons ainsi la grande catastrophe. Les esprits nous ont montré ces horreurs en rêve. Si nous ne renaissons pas dans le nouveau cycle, alors la graine aura réussi, et sa fille sera libre. Et il vaut mieux ne pas vivre en un tel monde. Vous êtes une disciple du feu, n'est-ce pas? Savez-vous quel monolithe ouvre la voie pour aller sous la ville? Pourquoi voulez-vous le savoir? Oh, culture G. Moi, je pense qu'il faut y aller à fond, dans le délire. Parce qu'ils savent pour les cycles. Ils sont bien atteints. Alors go, je porte la graine. C'est là où je dois me rendre. Je porte la graine. C'est vous? Kay soit béni. Père Nicolas savait que vous viendriez. Nous vous cherchions dans nos rêves. Oui, les monolithes. D'accord. Ça veut donc dire que vous savez quels monolithes sont nécessaires pour ouvrir le chemin. Moi? Non. J'ai seulement rêvé d'une partie des informations. Mais Père Nicolas a tout rassemblé. Ces notes sont cachées en bas, afin que vous seuls puissiez les trouver. Prenez la clé des pièces inférieures. Je crois que Père Nicolas l'a laissée sur l'autel. D'accord. Vous comptez vous immoler? Pour la purification, oui. Si l'agonie atroce, ne le faites pas, c'est autre choix. Elle a l'air bien sûre hein, de ce qu'elle fait. On va quand même lui poser la question une dernière fois. Ça me semble une horrible façon de mourir, vous en êtes vraiment sûr? Je n'ai pas peur de la douleur. La pureté me fera passer dans le nouveau cycle. D'accord, écoutez. Comme vous le sentez, moi de toute façon, les cycles... Je vais les continuer, hein, bien sûr. Ce n'est pas peut-être. Moi de m'en mêler. Faites comme ah non, il y avait Johannes qui était en mode tu vas le finir ton cycle. Que votre voix soit illuminée, mon frère. Donc peut-être que ce sera un choix. Hein. Peut-être qu'on pourra dire fuck les cycles ou go en refaire. Indice pour trouver les monolithes, énorme. Cycle va se répéter. Sa fille est emprisonnée en Ktigonar. Je pense pas que ce soit connecté. La clé, oui. Le livre de la flamme sacrée. Le Seigneur a fondé son trône au paradis parmi les langues de feu et les puits ardents. Les âmes pures reposeront à ses pieds. Elles connaîtront le bonheur et chanteront à jamais avec les esprits. Les pécheurs, à l'inverse, iront en enfer, dans le domaine du diable, sous la terre. Ils souffriront pour toute l'éternité dans ce royaume aux rues froides et aux pavés d'argent. Oui. Liste de course. Alors déjà, il nous faut quelques bidons d'essence. Au moins 5, hein, parce que bon, ça va être un sacré feu de joie. Du petit bois, qui doit être bien sec. Une grande boîte d'amulettes, hein, ce serait dommage de tomber quand même à court lorsqu'on est qu'à la moitié des gens. Essayez de tout apporter à l'église avant l'aube. Belle liste de courses. Hein. Très bien. Donc. Et c'est lui qui marchait derrière moi, là. Jean, il se balade quoi, il est en mode « Oh, j'aime bien cette église, tranquille. » Avertissement, mes frères et sœurs, faites attention, la fin du cycle approche et les malbêtes ont commencé à émerger par inadvertance dans notre domaine. Si vous vous rendez à la salle zététique, faites preuve de la plus grande prudence et prenez des armes avec vous. Oui, bon, il va y avoir du fight. Il va y avoir du combat. Rêve lucide, voyage onirique. On a potassé ses leçons ici. Ok, de quoi crafter les trucs. Oula. Quoi perdre des frames aussi. Si vous en portez davantage. On must stuff, parce qu'il va y avoir bien sûr. Du fight. Le truc pour que je sois le seul à pouvoir passer. Et on est parti. Juste attendre que la sanité remonte un peu. On n'est pas des animaux. Ensuite, on va pouvoir y aller. Derrière moi. Ok. Mais lui, avec son petit pas sur le côté, est très très fort. On va lui. Ah, loupé. Ok, ça passe. Oh.
Très bien. Reprenons nos affaires. Un somnifère, plutôt puissant. Ah bah c'est le même que celui qu'on prend. Énorme. Il coule le danum. Il y a un truc, on va d'abord fouiller la pièce. Petit scaphandre. Archive du prêtre. Enfin, les rêves de mes frères et sœurs deviennent clairs à mes yeux. Le cycle touche à sa fin. Le temps de la purification est venu, de nous purger afin que nos âmes conservent leurs souvenirs et leur raison d'être. J'ai réuni tous les signes de nos rêves et je les ai cachés là où seule la graine pourra les trouver. Ils l'aideront dans ses recherches. Graine, si tu lis ceci, que tu recommences le cycle et qu'on se retrouve dans le prochain. Très bien. Oui, parce que recommencer le cycle, du coup, c'est donner une chance à l'humanité, quoi. Alors que finir le cycle, c'était le truc que voulait Johannes, et la fin du monde, globalement. Il dit pas vraiment où il les a cachés, hein. Juste, oui, c'est un endroit où seul Jean-Jacques pourrait les avoir. Jean-Jacques étant moi. Journal des rêves. Le sang humain servira à retrouver les trésors de ceux qui ne le sont plus. La première pierre abattra l'ombre sur sa demeure, trois vies naîtront parmi les chevaux de fer. Dans l'ombre de la deuxième, les eaux viendront nettoyer le premier sang versé. Oh non, oh, ça sent l'énigme ça. Ça fait peur, hein. Bon, ici. Paf! D'accord. Petit tentacule. Ça doit être une partie du sceau. D'accord. Cool. Une sur trois. On regagne un peu de sanité. J'ai encore le tintement, hein, donc j'ai encore un truc à faire. Ah oui! Petit corbeau! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bon ? Ah, ici ! Merci, petit corbeau. On va se soigner le cerveau. Merci. On dirait qu'on a laissé ça pour moi. Ah, sûrement. Instruction du père Nicolas. L'un des monolithes, par sa simple présence, donnera à un homme ordinaire la renommée. Lorsque les eaux gonfleront, il trouvera des trésors inhumains jamais vus encore, attirant les foules et la gloire en son humble demeure. Il sera célébré, ses paroles et son visage gravés. Cherchez le monolithe, car il dissimule ce que désire la graine sous un voile azuré. L'autre monolithe, aussi menaçant que fier, naîtra avec trois disciples, chacun le jumeau de l'autre. Ils entreront en ce monde en une heure incertaine, en premier citoyen d'Oakmont, après la montée des eaux. Cherchez le monolithe, car il dissimule ce que désire la graine. Quoi ? Ok. Bon, d'accord. Va falloir chercher. Chercher dans les archives. Première partie des instructions. Peut-être la mairie, la renommée, voir qui a eu son visage gravé quelque part, quoi. Peut-être. Et là, il faut trois disciples, chacun jumeau, citoyen. Je pense que la mairie, c'est un bon candidat, hein, pour faire quelques petites recherches. Ça ne semble pas déconnant. Oh non. Elle s'est mis le feu. C'est pas vrai. Où est-ce qu'elle est ? Elle était en bas ? Elle était en bas. Où est-elle ? On ne sait pas. On ne sait pas, mais on imagine qu'elle l'a fait. Bon, très bien. Sale étranger. Oh, ça va. Bon, bah désolé pour elle.
Gomery, hein, moi j'y crois. Ah oui, c'est vrai qu'on a un point de connaissance aussi à balancer. Mais avant tout, la mairie. En vrai, on pourrait marcher, mais bon. Ça me permet d'avoir un peu de temps pour boire. C'est pas mal. Et pour m'étirer, c'est important. C'est important parce que mine de rien, là, comme je disais... Le Grand Rex, c'est sympa. Et si une salle est quand même bien installée, mais... Mais j'ai fait le marathon en mode vraiment marathon, c'est-à-dire que je suis resté dans le siège, mais j'en ai vraiment pas bougé depuis... pendant tout le marathon, pardon. Donc à la fois les 8 épisodes, mais aussi les entr'actes, et aussi les, le temps d'attente avant que ça ne commence. Je me suis un peu tortillé sur mon siège. Alors, quand je me suis levé, bien sûr, c'était la fin du monde, et là maintenant j'ai quelques courbatures... D'ici de là, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi avec mon corps, du coup. Ah, les premières instructions, c'est pas bon, mais les secondes, oui. D'accord, donc pour le... Oh. Les eaux gonfleront, il trouvera des trésors inhumains, jamais vus encore. Peut-être la bibliothèque. Bon, en tout cas, on est au bon endroit pour la deuxième partie. C'est déjà bien. Premier citoyen. Archives civiles. 19e. Ah, après l'inondation. Ah oui, après la montée des eaux, oui. En premier citoyen, documente après la montée des eaux. Autant pour moi. Archives de triplés. Laura, Claire et Allison Whiteley sont des triplés. On a perdu leur, leur document pour la date de naissance. Bien joué, mais en même temps, c'était l'inondation, c'était le chaos. Lieu de naissance. Gare située au croisement de Salvation Road et Moorland Road, à l'ouest des Shells. Pour mère Laetitia Whiteley, décédée lors de l'accouchement, et le père est inconnu. D'accord. Déjà, une piste. Et ouais, peut-être bibliothèque hein, pour l'autre. Qui sait. Donc, l'ouest des Shells, la gare située au croisement de Salvation. Salvation. Où ? C'est où Salvation ? Et Moorland. Moorland. Je ne vois ni l'un ni l'autre, c'est grave. Moorland et Salvation. Si Moorland, c'est pas genre l'un de ceux qui sont directement là. Oui, Moorland, c'est là. Moorland et Salvation. Ah bah c'est juste là, en fait. Oh, excellent. À côté d'un point de voyage rapide, on adore. Et ensuite, la bibliothèque. Oh, c'est... je reviens de la bibliothèque, au final. J'aurais dû chercher la bibliothèque avant de faire le reste. Terrible. On fait tout ça n'importe comment. Hop, petite biblio. Tentons, espérons que ce soit là. J'aurais dû chercher en sortant de l'église, mais bon. J'étais obnubilé par, par la mairie en ces temps-là. J'étais encore jeune et insouciant. Naïf. Alors qu'en vérité, la mairie c'est une chose. Mais les fantaisies et les histoires que l'on peut avoir à la bibliothèque, est-ce que c'est pas merveilleux? Point. Go. Petit chargement. Allez. Merci. Son livre qui pop à la fin. Première partie. Non, c'est pas ici. Quoi? Par quelle sorcellerie?